C'est gâté sur les États-Unis du côté du Burkina Faso. Le peuple burkinabé est tellement remonté tous ces derniers temps, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Les organisations civiles, les enfants, les femmes, tous les Burkinabés se sont mobilisés sur l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Ça s'est passé hier, vendredi 3 mai 2024, où les Burkinabés qui sont sortis par milliers, partagez d'abord cette vidéoconférence, partagez au maximum s'il vous plaît. Veuillez vous rassurer que vous avez partagé au maximum cette vidéoconférence, parce que ce qui se passe là-bas, il faut que le monde entier écoute et comprenne vraiment et prenne des leçons sur cette sortie que les Burkinabés ont mis sur pied hier, vendredi. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ils sont sortis par milliers. On vous dit qu'ils sont sortis même dans des petits villages, des petits coins un peu rapprochés de Ouagadougou. Ils sont sortis par milliers, ont envahi, encerclé complètement l'ambassade américaine de Ouagadougou, où ils ont exprimé ici leur ras-le-bol, ouais, par rapport aux allégations qu'avait émis l'ONG Human Rights Watch. Cette ONG d'ailleurs, qui est ici sous couvert par les Occidentaux, où il y a plusieurs grosses têtes occidentales qui couvrent cette ONG et qui appartient même d'ailleurs à ces différents Occidentaux. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les Burkinabés, concernant cette déclaration de cette ONG qui avait émis des allégations en disant que les troupes burkinabé et le gouvernement burkinabé sont en train d'opérer des actions sur le peuple burkinabé. Et alors, concernant cette déclaration conjointe entre les États-Unis d'Amérique et aussi avec le Royaume-Uni, qui ont certifié les déclarations ici venant de cette ONG Human Rights Watch, qui est cette ONG occidentale. Donc, concernant tout ça, le peuple burkinabé est sorti et demandé le départ. Oui, ils ont demandé, d'autres ont demandé le départ complet de l'ambassadeur et certaines entités même de cette ambassade des États-Unis d'Amérique du côté du Burkina Faso. Alors, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. À l'heure où nous parlons, vraiment, la situation est très compliquée. Les choses sont en train d'aller de mal en pire. Parce que vous savez, qui sont les Wanya? Voilà, les Wanya, ce sont ceux-là qui veillent sur le Burkina Faso et qui alertent au maximum. Et eux, ils ne rigolent pas. Petite annonce, ils alertent. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, que disent ces organisations qui se sont mobilisées? Que disent les Wanya? Que disent ces jeunes Burkinabés qui ont manifesté ici pour demander ici le départ de certaines entités et des explications sur cette ambassade américaine à Ouagadougou? Et alors, c'est dans ce cadre que nous allons en parler au sein de cette vidéoconférence. Donc, vous qui me suivez, je vous prie plus que jamais de vous acquitter à vos droits de contribution en partageant et en sécurisant notre vidéoconférence. Vous savez, lorsque vous partagez, vous poussez assez de cœur, c'est ça qui sécurise la vidéo. Que tout le monde envoie cette vidéo au moins à 5 ou 10 personnes de ses contacts. Voilà, partager au maximum. C'est ça qui protège nos différentes vidéoconférences. Vous savez, lorsque nous faisons des vidéos, il y a ceux-là du côté de l'Occident qui ne veulent pas entendre ou bien voir circuler nos différentes vidéoconférences. Donc, c'est en sécurisant que ça protège nos vidéos. Rassurez-vous aussi d'avoir laissé les cœurs et les pouces bleus sur nos vidéoconférences et laissez les commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez écrire « Salut, état d'urgence »,« Bonjour, état d'urgence ». Donc, partagez au maximum. Et cliquez aussi sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire et allez vous abonner à la dite chaîne YouTube. Nous faisons aussi des vidéoconférences de ce côté-là. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, comme je le disais, ça s'est passé hier. Où j'ai même d'ailleurs reçu des informations avec mes intermédiaires que j'ai du côté burkinabé, mais il se faisait un peu tard lorsque j'ai reçu cette vidéoconférence, lorsque j'ai reçu la vidéo en question même. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, selon les informations, le peuple burkinabé ici, concernant ces manifestations, qui dit qu'ils ont demandé une clarification et qui a été adressée à l'ambassadeur des États-Unis à Ouagadougou après la déclaration américaine concernant le rapport de l'ONG Human Rights Watch
accusant l'armée d'exaction à l'origine. Voilà, il s'agissait de demander l'expulsion du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Ah oui, partagez s'il vous plaît. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Je vous ai toujours dit, le peuple de l'AES ne rigole pas. Non, ils ne sont pas du tout dans ces histoires à dormir debout. Ils demandent, écoutez, ils demandent ici l'expulsion du chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique sur la zone de Ouagadougou. Vous comprenez? Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Je vous dis, ils sont sortis par milliers. Ou on a même dépêché, selon les informations qui ont été relayées, on a dépêché des forces de l'ordre. Parce que tellement ils étaient nombreux, ils voulaient s'en prendre même à l'ambassade. Vous comprenez? Ils voulaient s'en prendre à l'ambassade. Et l'État burkinabé a dû utiliser ses moyens pour sécuriser plus que jamais l'ambassade américaine. Vous savez, c'est une histoire diplomatique. Donc, toutes les ambassades dans des pays doivent être protégées. Donc, l'État a usé ses moyens qui, ici, le droit l'indique. Vous comprenez? Sinon, si ce n'était pas ça, wallahi, c'est que ces gens devaient directement entrer dans cette ambassade ou même peut-être prendre l'ambassadeur. L'heure est grave. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Donc, en effet, dans une déclaration commune avec le Royaume-Uni, il s'étend dit préoccupé par des informations de l'ONG Women Rights, faisant état de il y a un mot qui n'est pas très bon, faisant état, voilà, d'envoyer au repos éternel du peuple burkinabé des civils par l'armée burkinabé et avait demandé l'ouverture d'une enquête approfondie. Donc, selon ici les USA et le Rome unis dans leur déclaration conjointe auquel ils avaient fait concernant les déclarations de cette ONG Women Rights Watch. Vous comprenez? Donc, c'est par rapport à ça que le peuple burkinabé s'est tenu debout et a demandé le départ de certaines entités. Ce n'est pas seulement le chargé d'affaires. J'ai des gens sur le terrain. Il ne s'agit pas seulement du chargé d'affaires. Le peuple burkinabé demande le départ de l'ambassadeur des États-Unis du côté du Burkina Faso. Il demande le départ du chargé d'affaires américain au niveau de l'ambassade américaine à Ouagadougou. Ils demandent le départ de plusieurs personnes et d'autres vont même au-delà pour demander la fermeture. Partagez au maximum. Partagez. D'autres demandent la fermeture immédiate de l'ambassade américaine du Burkina Faso. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Donc, en ce moment précieux, en ce moment où je vous parle jusqu'à présent, il y a toujours les forces de l'ordre qui sont en train de veiller à la sécurité de cette ambassade à Ouagadougou. Parce que s'ils essayent de laisser, s'ils laissent ne serait-ce qu'une minute à ces Ouagnans, à ce peuple burkinabé qui veille, qui alerte au maximum le gouvernement, vraiment l'heure serait très grave pour ce qui va se passer sur cette ambassade. Donc, automatiquement, il faut une sécurité. Mais ces jeunes sont très déterminés. Oui, ils sont très déterminés et ils ne sont pas prêts à baisser les bras. Voilà, ils ne sont pas du tout prêts à lâcher. Parce que ce que ces gens ont fait, ils sont en train de comprendre. Les Burkinabés ont déjà compris que derrière ça, il y a une manipulation. Donc, pour faire passer cette manipulation, il faut à tout prix demander le départ de ces gens. Parce que au Burkina Faso, on a fermé RFI, on a fermé les médias occidentaux, les France 24 et autres. Donc, maintenant, ils veulent passer par des ambassades pour pouvoir ici mettre sur pied leur action de communication concernant les différents travaux que les forces de l'ordre de défense et de sécurité du Burkina Faso sont en train d'exercer sur le terrain. Donc, ils veulent prendre ces informations, mais faire de ces informations ce que eux-mêmes, ils sont en train de penser. Donc, c'est par rapport à tout ça que le peuple burkinabé s'est mis debout concernant ces allégations. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, du côté américain, nous n'avons pas encore vu aucune réaction venant des autorités américaines et du côté du Royaume-Uni et plus précisément aussi du côté du Burkina Faso. Donc, je continue de suivre cette actualité de très près et je ne manquerai pas de vous relayer l'information officielle venant de ce côté du territoire burkinabé concernant ce départ de ces entités ou personnels
de l'ambassade américaine des États-Unis sur le sol burkinabé. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Je ne veux pas vous tenir en haleine. Donc, vous qui me suivez, veuillez vous acquitter humblement et continuer de partager au maximum cette vidéoconférence et surtout pousser au maximum de cœur pour sécuriser notre vidéoconférence. Laissez vos avis en commentaire, même si vous n'avez rien à écrire en commentaire. Écrivez salut état d'urgence, bonjour état d'urgence, comment tu vas? Et cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire et abonnez-vous au maximum. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Donc, cliquez sur le lien dans les zones de commentaires. Allez vous abonner. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, les nouveaux, n'hésitez pas à cliquer sur suivre en bleu sur Facebook et activer la cloche de notification. Donc, à tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.